Baby Kent. Bonjour à tous, je suis Kent, Kent l'éléphant, et je reviens tout juste du marché. J'ai fait des courses de fruits et légumes, c'était tellement amusant. Mais il y a juste un petit problème. Mes fruits et légumes sont mélangés. Je dois les trier et j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien m'aider? Yay! Oh bien merci, commençons! Celui-ci est rond et rouge. Une pomme! C'est définitivement un fruit. Oh, une carotte! C'est un légume. Oh oh! Continuons! Oh, une orange! C'est un fruit! Définitivement un fruit! Bon travail! Oh, une aubergine! C'est un légume! Excellent! C'est un brocoli! Le brocoli est aussi un légume! C'est ça, les enfants! Super, merci! Fraise! Oh, ma préférée! Fruit! Oui, merci, les enfants! Épinard! Qu'en pensez-vous, les enfants? Oui, c'est un légume! Légume vert et à feuilles! Chou-fleur! C'est aussi un légume! Et voilà! Oh, une grappe de raisin! C'est un fruit, c'est sûr! Oh, une banane! C'est aussi un fruit! Une courgette! C'est un légume à coup sûr! Une pastèque! Ça, c'est un... c'est un fruit! Waouh! Tu as trié tous les fruits et légumes dans le panier de fruits! Dans le panier de fruits, j'ai une pomme, une banane, une pastèque, une fraise, raisin et une orange! Et dans le panier de légumes, j'ai brocoli, carotte, chou-fleur, épinard, aubergine, courgette! Wouhou! Je suis prête à faire une délicieuse salade de fruits et une super salade et des légumes! C'est parti! Au revoir! Salut les amis! Je suis Kent, Kent l'éléphant! Et j'apprends à compter de 1 à 10! Waouh! Ça a l'air amusant, non? Oui! Mais avant de le faire, j'ai une liste de courses prêtes et je dois aller au marché pour acheter tous les ingrédients! Toutes les choses nécessaires de ma liste. Tu veux m'aider? Oui? Allons-y! Voyons voir quelle est la première chose sur ma liste. Une boîte de lait? Ok alors, une boîte de lait. C'est ça! On l'a! Check! C'est quoi? Oh! Deux pommes! Ok alors, allons chercher des pommes. Les voilà dans mon panier. Une, deux pommes. Check. Et après? Des crackers. Trois paquets de crackers. Ils vont dans mon chariot. Un, deux, trois. Wouhou! On l'a fait! Ensuite, j'ai... 4 pots de confiture. Miam! Voyez-les apparaître dans mon panier. 4 pots de confiture. Check! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5 paquets de biscuits. Mes préférés. Je les adore. 1, 2, 3, 4, 5. Wouhou! Bon travail! Merci pour ton aide! Et maintenant, allons chercher 6 carottes! Plus que 5 articles! Maintenant, 6 carottes! Peux-tu compter jusqu'à 6 avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 carottes! Check!
qu'est-ce que c'est? C'est de brocoli. Je vais faire une soupe de brocoli. Mettons-les dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Wouhou! Ça va être une super soupe au brocoli. Et ensuite, 8 tomates. Waouh! Tu peux les compter? Elles vont dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 tomates dans le panier. Tchac! Maintenant, nous y sommes presque. Nous avons 9 bananes. J'adore les bananes. Elles me rendent plus fort. Comptons 9 bananes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Yay! Check! Et enfin, nous avons 10 muffins. Wouhou! Il nous faut un dessert. Ouais, 10 muffins dans mon panier. Tous en un seul paquet. Sympa et facile. Check! Wouhou! Voyons voir. J'en ai fini avec les courses. Youhou! Maintenant, voyons ce que nous avons acheté aujourd'hui. Un pot de lait, 2 pommes, 3 paquets de crackers, 4 pots de confiture, 5 paquets de biscuits, 6 carottes, 7 brocolis, 8 tomates, 9 bananes, 10 muffins. Waouh! Attends une minute, j'ai appris à compter de 1 à 10. Tu as vu ça? Yay! On l'a fait ensemble! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Génial! Mon nom est Kent, je suis un éléphant. C'est tellement amusant de faire les courses aujourd'hui. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Merci beaucoup, c'était les courses avec toi. À la prochaine fois. Bye bye. Salut, je suis Kent, l'éléphant. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer un jeu simple appelé Combien peux-tu en compter? Alors, combien peux-tu en compter? Tu es prêt? On commence! Combien de bananes peux-tu compter? Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Nous avons 5 bananes. Merveilleux. Ensuite, combien de voitures pouvez-vous compter? Ça devrait être facile, n'est-ce pas? 1. Ce n'est pas une voiture. 2. 3. Super! Nous avons 3 voitures dans notre panier. Hourra! C'est reparti! Et maintenant, combien de crayons peux-tu compter? Ok! On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent! Nous avons 6 crayons. Bon décompte! Waouh, bon travail! Combien de cadeaux peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Aimerais-tu avoir 4 cadeaux pour ton anniversaire? C'est bien ce que je pensais. Et enfin, mais surtout, combien de bonbons peux-tu compter? 1, 2, 3. Sucettes délicieuses. 4, 5, 6, 7 et 8. Oui,
avons 8 bonbons. Miam, miam. Encore un tour? D'accord. Combien de papillons pouvez-vous compter? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 papillons! Des papillons qui volent! Combien de tasses peux-tu compter? 1, 2 et 3. C'est vrai, nous avons 3 tasses. Combien de balles peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 balles. Imaginez toutes les choses amusantes que tu peux faire avec ces balles. Combien de crayons de couleur peux-tu compter? Il y en a un bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crayons! Waouh! Tu pourrais faire des dessins très colorés avec ça, n'est-ce pas? Et enfin, combien de boutons peux-tu compter? 1, 2. Oui, juste 2. 2 boutons roses. Oh, encore, encore. Ok. Je vois. Combien de cerfs-volants peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3 et 4. Des cerfs-volants roses. Génial! 4 cerfs-volants pour souffler dans le vent. Bon travail! Combien de cupcakes peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. 4 délicieux gâteaux à manger pour moi. Ok. Combien de clés peux-tu compter? 1, 2, 2 clés. Excellent. Waouh, tu es vraiment bon à ça. Combien de chapeaux peux-tu compter? C'est vrai, juste 1. Yay! Et maintenant, combien de tomates peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5 tomates juteuses! Oh, je pourrais cuisiner quelque chose de délicieux avec ça! Yay! Bien joué, les enfants! Vous avez fait un travail fantastique en comptant toutes ces choses! Bon travail! À la prochaine fois! Au revoir! Dans mon petit jardin! Oh! Bonjour toi! Je ne t'avais pas vue! Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant! Hourra! Et je suis dans mon jardin! J'adore être dans le jardin! Regarde tous les beaux papillons, les arbres et les fleurs! J'adore être dans le jardin! Regarde, j'ai cueilli un beau panier de fleurs! Tu veux les voir? Je suis impatient de te les montrer! Peux-tu trouver quelles fleurs sont dans mon panier? Commençons! Quelle est cette fleur? Elle est jaune et ressemble à un grand soleil. Est-ce une tulipe? Une rose? Ou un tournesol? Oui, c'est un tournesol! Wouhou, ma préférée! Quelle est cette fleur? C'est rouge. Est-ce un lotus?
pont, Alice. Ou une tulipe? Non, c'est une rose. Youpi! Bien joué! Je vais la donner à mes proches. Quelle est cette fleur? C'est joli. C'est une marguerite? C'est jaune. Je ne pense pas. C'est un lotus ou une rose? Oh, c'est un lys! Waouh! Et quelle est cette fleur? Une idée? C'est une marguerite? Non. Un tournesol? C'est une rose? Non. C'est un lotus! Oui! Comme c'est beau! Combien d'autres fleurs ai-je dans mon panier? Voyons voir. Je me demande. Quelle est celle-ci? Je la connais. Mais toi? C'est une marguerite? Non. Un lys? Ou est-ce une orchidée? Oui! C'est une orchidée! Jolie en rose! J'adore les orchidées! Ma préférée! Quelle est cette fleur? Ce n'est pas un tournesol. Ni un lotus. C'est un lys? Non. Je sais, c'est une marguerite! Oui, bien joué! Tu as deviné toutes les fleurs de mon panier. Bravo! Je me suis amusée et j'ai appris le nom de toutes les fleurs. Pas toi? Abonne-toi à Kent l'éléphant pour plus de vidéos d'apprentissage. Et d'ici là, salut! Bonjour, mon nom est Kent. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas? Je vais faire un gâteau aujourd'hui. J'adore cuisiner. Cuisinons, cuisinons, cuisinons. Mélangeons, mélangeons, mélangeons. Miam! Je me demande quelle est cette délicieuse odeur. C'est presque fini. Wouhou! Voyons voir. Pour le rendre parfait, ajoutons un glaçage au chocolat. Allez, Luc! Fouettons, fouettons, fouettons. J'ai hâte. Et c'est fait! Wouh! Quelque chose sent délicieusement bon. C'est parti! Wouhou! Wow, Kent! Ce gâteau a l'air si délicieux! On peut en avoir? Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Moi aussi! Nous devons apprendre à partager. Alors partageons le gâteau de manière égale. Comment fait-on? Comment puis-je diviser ce gâteau également? Je vais le diviser en quatre parties. Une part pour Moumou. Une part pour Luc. Une part pour Tim. Et la dernière part pour moi. Maintenant, nous avons tous une part égale du gâteau. C'est merveilleux! Miam, miam, miam! C'est toujours bon de partager! Je m'appelle Kate et je suis l'éléphant mignon! Qu'est-ce que c'est? Ma mission pour aujourd'hui est ici! Waouh! Jouer avec les amis! C'est ce que je préfère faire! Allons jouer! Un panier plein de jouets, c'est super! J'ai hâte de jouer avec mes amis! Oh non! Personne n'est là! Je vais aller les chercher! Je m'appelle Ken, l'éléphant mignon! Et je vais chercher mes amis! Oh, regardez, c'est Tim! Salut, Ken! J'ai un cadeau pour toi! Waouh! C'est un hélicoptère! Un hélicoptère bleu! Yay, c'est génial! J'adore mon cadeau! Merci, Kent! Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon et je m'en vais chercher mes amis! Oh wow! Lundi fait des éclaboussures dans l'eau! Bonjour, Lundi! J'ai un cadeau pour toi! C'est un bateau! Un bateau jaune! Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon et je m'en vais chercher mes amis! Yay! Salut Luc, j'ai une surprise pour toi. Une voiture rose. Merci Kent, tu es un merveilleux ami. Au revoir Kent.
Oh non, le panier est vide. Il n'y a plus de jouets pour moi. Que dois-je faire? Hé, quelle surprise! Allons jouer avec tous nos jouets préférés. Un bateau, un hélicoptère, une voiture. La mission d'aujourd'hui est accomplie. Salut les amis! Regardez ce que j'ai ici. Un sketch! C'est un train! Et je sais comment le colorier. On y va! Peindre, c'est si amusant! Ce carré est parfait pour mon sketch! Hé, Pego! Pourrais-je avoir ce carré, s'il te plaît? Oui, bien sûr! Merci, Pego! Ça marche! C'est parfait! J'imprime plein de rectangles dans mon imprimerie. Hé, Tim! Pourrais-je avoir ce rectangle, s'il te plaît? Bien sûr! Prends-le! Merci beaucoup! Waouh! C'est magnifique! C'est un jour parfait pour faire voler un cerf-volant! J'ai presque fini de le décorer avec mes cercles. Salut, Luc! Pourrais-je avoir quelques cercles? Bien sûr, Kent! Tiens! Merci! Et maintenant, pour finir, j'ai besoin d'un triangle! Le voilà! Un triangle vert! Waouh! C'est trop beau! J'ai découvert le cercle, le rectangle, le triangle et le carré! J'espère que tu t'es bien amusé en apprenant avec moi! Au revoir! Bonjour les enfants! Waouh! Pourquoi cette roue roule-t-elle vers moi? Attendez, mais où va-t-elle? Enseigner les couleurs, c'est ma devise! C'est pourquoi j'aime jouer! Ah, mais pourquoi ne bouge-t-elle pas? Allez! Oui! 1, 2, 3, 4! De quelle couleur est la porte? Rouge! Waouh! Regarde! Plein de petites balles en tombent! N'est-ce pas génial? Ok, on dit au revoir aux petites balles rouges! Salut! Je suis de retour et la roue aussi! Waouh! Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon! Enseigner les couleurs, c'est ma devise, c'est pourquoi j'aime jouer! La flèche est encore bloquée! Oh! Ça y est! 1, 2, 3, 4! De quelle couleur est la porte? Jaune! Si vif et beau! Et voilà les petites balles! Waouh! Il y en a tellement! Voilà la roue des couleurs encore une fois! Apprenons d'autres couleurs! Je m'appelle Kent et je suis l'éléphant mignon! Enseigner les couleurs, c'est ma devise! C'est pourquoi j'aime jouer! Allez, on recommence! Ah, ça ne bouge pas! Yay! 1, 2, 3, 4! De quelle couleur est la porte? Réfléchis, réfléchis! Et c'est rose! Tellement de petites balles rebondissantes! C'est tellement amusant! Le jeu te plaît? Regarde! La roue des couleurs est de retour! C'est encore coincé! Allez, la flèche! Bouge pour Kent! Oui! 1, 2, 3, 4! De quelle couleur est la porte? Tu aimes bien la scène? Et voici la couleur verte! Wow! Explosion de petites balles!
À la prochaine fois! Au revoir! Abonnez-vous et regardez plus! Kent, l'éléphant!